c'est bon, là, maintenant faut que tu rigoles. Hein, tu te lances, t'es prêt, mentalement, physiquement, faut y aller. Hein, t'as peur de personne, t'es là pour gagner, et on rigole plus, hein. Allez, un petit voilà, ça l'est rien. C'est maintenant, allez. Maman, j'ai peur, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je m'inflige ça? C'est toujours pareil. Bon, ça va, je vais peut-être arrêter la clé bientôt, mais ça va aller, ça va bien se passer, je suis entraînée. Par contre, il n'y a que des mecs, qu'est-ce que je fais là? Bon, ben, et trottement, hein, c'est mort pour le chrono. En plus, tout à l'heure, j'ai mangé des céréales complètes, d'habitude, je mange des céréales au chocolat. Hier, j'ai fait la fête, bon, ben, allez, on va limiter la casse, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Putain, je suis premier au bilan, faut que j'arrive à gagner. Faut que je mène la console, il faut y aller. J'ai l'impression. Bon, c'est parti, moi aujourd'hui je cherche le chrono. Moi c'est une 45, s'il n'y a pas une 45, je le fais plus. Moi je suis Kiki le Fada, vous ne me connaissez pas, je suis ouf. Moi il y aura une personne au 100 mètres, au 150, au 200, au 250. Si je suis en retard, je m'arrête. Si je suis en avance, je m'arrête. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, une 45. Il n'y a pas d'autre chose à dire, une 45. Moi je suis Kiki le Fada, j'en ai rien à foutre. Ah putain, lui je le connais, la dernière fois il m'a battu au 800. Faut que je me concentre, faut que je me concentre. Alors lui il a futé. On va y aller, ça y est, c'est parti, je vais la retrouver. Ah putain, il y a tout le monde qui est là, mes parents, putain faut pas que je les déçoive. C'est départementaux mais pour moi c'est les Jeux Olympiques. J'ai l'impression, putain en plus il y a Hamza qui est là, oh, je suis dans la merde. Bon c'est pas grave, faut y aller quand même, allez. Bon allez quand on finit, c'est la Yaloïc qui joue à 15h. Bon j'espère qu'il n'y aura pas de protocole. Bon je vais pas gagner de toute façon. Bonjour Faustin, Faustin Guigon, je suis coureur de 10 km. Voilà, cette année j'ai fait 31,08. Moi avant une course pour vraiment pas stresser, bah, je repense à toutes les séances que j'ai fait avant. Voilà, parce que l'entraînement de toute façon quand il est bon après le jour de la course ça passe. Et j'écoute toujours une bonne petite musique qui me met en confiance. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Mathias Semar, je suis au club de Ex-Athlétisme Provence. Donc je fais un peu de 10 km, j'ai fait 31,11 sur 10 km à Nice l'an passé. Moi, un conseil pour ne pas stresser, c'est juste que je vais prendre confiance en moi, je vais souffler un bon coup, je vais faire gaffe à la respiration et je vais essayer de positiver un maximum. Donc voilà, après avec un peu de musique, ça passe toujours bien et je me concentre sur ma course, j'essaie d'éliminer tous les éléments négatifs qu'il y a à côté. Voilà. Je suis Sofiane de l'OM. Je suis en coureur de 15, j'ai fait 3,50 quand j'étais junior. Et avant une course, ben, je ne stresse pas, j'évite de regarder mes adversaires. Je pense qu'à moi et surtout, j'oublie ce qui se passe autour, je me concentre sur moi-même. Ça m'évite de stresser. Alors, Amokran Najib, club SCO Sainte-Marguerite, coureur de 800 et 1500, record 800, 1,55. 3,58 au 1500. Avant les courses, quand il s'agit surtout de la piste, j'essaye de faire tout ce qui touche pas la course à pied pour éviter d'y penser, de cogiter dessus et de perdre du jus et de l'influx nerveux. Le jour J de la course, j'ai tendance à regarder un peu la météo et les coureurs, le vent pour me mettre vraiment dans la course et après, comment dire, pendant la course, je me dis je suis prêt, j'ai tout fait pour être prêt, maintenant il faut partir. C'est une course de 1500 et de cross, donc je suis au Satuc à Toulouse. Donc, moi je suis de nature stressée, donc déjà la veille j'essaye d'avoir une alimentation irréprochable. Le matin je prends toujours le même petit déj, je fais en sorte d'avoir toute ma tenue, donc déjà ça me rassure. Et donc quelques heures avant la course, je suis plutôt en mode humour avec mes potes, essayer de me changer les idées. Et puis donc quand arrive l'heure de la course, là par contre je me remets aux mains de mon entraîneur, j'ai toujours besoin de ses conseils avant de course. Il me répète tout le temps la même chose, mais moi ça me rassure. Brice Leroy du SCO Sainte-Marguerite Marseille, record à 1,46,88 sur 800 mètres. Donc mon astuce pour ne pas stresser, c'est tout d'abord une heure avant la course, je vais mettre les écouteurs, je vais vraiment me motiver sur de la musique et je vais vraiment prendre beaucoup de conseils par rapport à mon entraîneur qui va me rassurer.
Et souvent, c'est par rapport aux séances qu'on a faites quelques jours avant la compétition qui fait que je stresse plus du tout. Et en général, je sais pourquoi je mets le pied derrière la ligne et c'est pas pour stresser ou pour... voilà, quand on court, c'est vraiment pour gagner et faire des bons chronos. Et voilà. The silence presses heavily, my heart beats faster steadily.